La transition énergétique repose sur un changement profond de notre société, avec notamment le déploiement massif de nouvelles énergies qui sont décentralisées et ancrées dans nos territoires. Nous avons pris du retard, donc il faut aller plus vite, plus fort. Il y a un besoin de cohérence d'ensemble, d'autant plus que ces projets sont loin de faire l'unanimité et des contestations locales, voire nationales, sont des freins à la transition énergétique. C'est donc la société civile qui doit porter une parole forte, d'autant dans un contexte où l'adhésion sociale est remise en question par de fortes mobilisations. Pour avancer de manière coordonnée dans une direction collectivement soutenable, il faut donc que les contraintes, mais aussi des bénéfices communs s'appliquent et que tout le monde puisse participer et jouer le même jeu. C'est pour ça que la Shared Energy for Society de Grenoble École de Management réunit des entreprises mécènes et une équipe de professeurs de GEM pour, dans un premier temps, essayer de bien comprendre quels sont les enjeux de cette adhésion sociale et aussi de mettre en place, de créer de nouveaux modèles et de les tester afin de voir s'ils permettent de concilier attractivité, adhésion sociale des citoyens et transition énergétique.